Tout s'éclaircit à partir de la mort. Je vais commencer, au risque d'opacifier ou complexifier la compréhension de certains épisodes du flux qui va suivre, par mon arrivée à Paris d'un village lointain, presque onirique. En moins de 6 heures de train, ce nouveau monde s'offrait à moi, l'opposé du premier. Les comparer serait un crime. J'étais libre, loin de l'enfance, de ces nuits interminables et confuses, de l'angoisse que le condor ressurgisse dans le clair-obscur de la chambre pour se repaître de ma chair et de mon sang. Loin de cette éternité où je voyais mon bourreau tous les jours, flânochant dans la maison, prenant parti pour cette salope de mère, par exemple, qui jurait que jamais, jamais, elle ne m'autorisera à fermer la porte de ma chambre la nuit tant que tu vis ici, jamais, jamais. Tirant la langue, me clignant de l'œil avant de se tourner vers les autres d'un air normal, tandis que son insidieux venin gagnait de plus en plus mon corps, les limites de mes rêves. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je m'estimais chanceuse, surtout parce que je m'étais dit qu'ici, c'était le lieu idéal pour tout réparer, oublier. J'y croyais en plus. J'y croyais. Jusqu'à l'affreux creusement du vide, le sentiment que je n'étais nulle part à ma place, que n'importe où ailleurs serait une effraction dans la mauvaise existence. Ma descente aux enfers, pour ainsi dire, débuta longtemps avant que je m'en rende compte, que je prenne conscience que ma chute était irréversible, en courant après des rêves qui ne se réalisent pas justement parce qu'on leur court après. Et parmi ces rêves, celui d'être heureuse, avoir une maison, un jardin, un chien, un mari qui se respecte, des enfants, etc. etc. Je crois que j'avais peur que la petite fille que j'avais été revienne pour se trouver face à une femme impuissante, plus seule que jamais avec ses failles. Et au fur et à mesure que le temps passait, à force de m'obstiner, j'avais perdu le sens du réel, le sens de tout. Mes démons réveillés me traquaient jour et nuit, tout un escadron avec à sa tête la petite fille perdue, brisée. Je m'enfonçais à toute vitesse dans le noir. Lisez ce cahier jusqu'au bout et vous comprendrez. Depuis ma rencontre avec Mackenzie, du jour au lendemain, tout en moi avait fondu. J'étais devenue une source, une rivière, un fleuve, et puis une mer de cris. Je voulais sauter du 4e étage pour cette raison aussi, pour éteindre ce volcan dans ma tête, la rage d'être vide, de n'avoir aucune prise sur moi-même, sur lui, sur rien. Mackenzie, celui que je prenais pour l'homme de ma vie, venait de me faire comprendre que notre relation n'allait nulle part et qu'il fallait qu'on y mette un terme avant que ça devienne toxique. Pour reprendre ses propres mots, bon là tu me fais chier en fait. T'inventes plein de choses, tu perds la raison, ça marchera jamais entre nous, t'entends ? Tu fais chier.
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de plus étonnant que ce qui se passe d'habitude dans ce genre de relation. Au début, tout va bien. Le monde se réduit à l'autre. Son visage, son sourire, ses yeux, ses bras, ses jambes, son absence, ses pas, son sommeil, son réveil. Il y a ce qu'on pourrait appeler une distorsion de la perception de l'autre. Il est tout le temps beau, il est tout le temps génial. Ainsi que tout ce qu'il fait, ses paix, ses ronflements, son attitude médiocre, ça encore, c'est parfait, c'est l'amour. C'est ça, le bonheur. Et puis, un beau jour, tout redevient visible, perceptible, nu, percutant, dégoûtant. On en a marre, là, de cet enfant maudit, ce mirage oublié par sa mère au fond d'une poubelle. On en a son content de frustration et d'amertume. On se demande comment on a pu accepter ça, s'abrutir à ce point. On se rend compte souvent trop tard que l'autre ne faisait que se servir et puis vous mentir sans scrupule. Ivre de désespoir, je me regardais péter un câble, glisser sur la mauvaise pente jusqu'à fouiller dans les affaires de Mackenzie pour comprendre ce qui ne s'explique pas forcément. Pourquoi quelqu'un t'aime mais veut quand même garder sa liberté telle qu'elle était avant de te connaître? Pourquoi les histoires ne sont pas faites pour durer? Celles qui durent sont des vieilles catastrophes. Le pire, ce n'était pas le fait de fouiller dans sa vie privée pour découvrir ce qu'après tout, il n'était pas nécessaire de chercher à savoir. Franchement, c'est ridicule de s'épuiser à vouloir être la seule femme dans la vie d'un homme. Mais d'y avoir cru, depuis le début de notre relation, je me sentais nulle. Nulle. Nulle, vide. Je perdais pied. Je fonçais dans la rue, au premier bar venu, je commandais un whisky coca, s'il vous plaît. Et puis un autre whisky coca, s'il vous plaît. Encore un autre whisky coca, s'il vous plaît. Encore un autre là. Un autre whisky coca, s'il vous plaît. La première fois que j'avais bu autant, c'était pour fêter mes 18 ans seule dans mon salon à Paris. Quand je revins à l'appartement, Mackenzie était assis sur le canapé, complètement distant, détaché, comme d'habitude. Je lui demandais qu'est-ce qu'on fait là? J'entendais par là, est-ce qu'on reste planté là comme des cons ou bien on oublie tout et on reprend normalement notre vie? Il maintint sa position ferme, non, mais ça serait mieux qu'on se quitte avant que ça devienne trop moche. C'est à ce moment-là que j'ai été arrachée à moi-même par cette terrible chaleur, une force intérieure absolue, oui. Et la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était d'en finir avec moi. De mon corps était penché dans le vide lorsqu'un bras m'avait subitement tiré et poussé sur le canapé. La chute était plus qu'imminente, je l'avais entamée, Mackenzie m'avait rattrapée de justesse, sans lui c'était fait. Je passais clairement de l'autre côté et puis on se regarda intensément, j'étais essoufflée, il était rouge de saisissement, ses yeux me détestaient, je plongeais dans ses bras malgré moi, on commença à s'embrasser. Il me bouscula, espèce de folle. Espèce de folle. La fin de notre relation commença ce soir-là. Une comédie de rupture qui avait duré un peu plus de 4 ans. Mackenzie devait croire qu'il y avait sans doute eu d'autres tentatives dans le passé, qu'il y en aurait d'autres, que moi j'avais un truc avec la mort. Qui saute dans le vide parce qu'un connard fait passer d'abord sa liberté, sa petite personne? Qui ? Thank you.
marchant, je pensais, y a-t-il un monde après la mort? Est-ce que c'est la mort, ce monde? Tout à coup, j'étais comme hantée par cette pensée, il fallait que je sache. Avant de descendre dans le métro, je fixais un moment la rue menant au cimetière du Père Lachaise. Je me disais que j'aurais pas pu vivre ailleurs qu'à Paris. Debout sur le quai, il était 17h30, tandis que je me concentrais sur le plan que je devais mettre à exécution dans exactement 3 minutes, selon le panneau SIEL. Les gens se ruaient autour de moi, en face, perdus dans un bouquin ou aveuglés par l'écran de leur smartphone, écouteurs dans les oreilles, indisponibles. Je pensais encore, non, il n'y a aucune chance que quelqu'un te retienne de sauter. Ça arrive rarement, ça n'arrive jamais en fait. Sauter, c'est de plus en plus courant sur les lignes de la RATP, quoi qu'il puisse advenir. Je devais aller au bout de mon plan, même si la foule serrée autour de moi tentait de me retenir comme un seul homme. Allez, saute. Sauve-toi. J'imaginais déjà la réaction des spectateurs de ma chute phénoménale. L'ultime crash. Ah putain, merde. Oh mon Dieu. Se cachant la bouche derrière des mains tremblantes, choquées, détournant les yeux. Et puis d'autres, plus familiarisés à ce genre de drame, du matin au soir, pour qui sans doute le métro parisien est un raccourci vers la mort. Un cimetière agité, mais on va être en retard à cause de cette connasse qui sait bien choisir le jour et l'heure pour se foutre en l'air et perturber le trafic. Mais très peu d'entre eux avaient déjà vu un vrai cadavre. Beaucoup de sang, moi-même, je n'avais jamais vu avant que mon âme quitte mon corps. Réduit en bouillie par le train, qu'elle le fixe pendant un moment depuis le plafond, et puis s'envole vers l'au-delà, abandonnant mes restes sur les voies, rien que ça. Je me rappelle la première fois et toutes les autres que j'avais entendu cette voix hors champ. Le trafic est interrompu entre la station X et la station Y en raison d'un accident grave de voyageurs. En serais-je capable? Demandais-je à l'époque. Couper court à sa vie me paraissait la chose la plus extrême qu'on puisse faire. Je venais d'arriver à Paris. J'étais jeune. J'étais libre. Mourir ne faisait pas partie de ma liste. Mourir, c'était pour ceux qui n'avaient aucun plan. Moi, j'en avais un. Être heureuse. J'avais des raisons de penser que j'étais une force de la nature. Mais il n'empêche... Chaque fois, j'étais traversée par la sensation désagréable de perdre pied, rien qu'à l'idée de disparaître un jour, ou de vieillir. Tandis que derrière moi se précipitait un reste de foule vers le quai, je sentais déjà la mort se propager dans mon corps, comme une vague. Elle me remplissait entièrement de la tête aux pieds. Le train pointait son nez, clignotant, nerveux, inouï. Ah, mais quelle transe! Je sautais sans hésiter. C'était parfait. Égoïste. Ah, méchant. Méchant, insignifiant. Méchant. Égoïste, méchant. Il n'y avait pas d'autre mot pour qualifier mes géniteurs. Comme tous ceux qui faisaient partie de leur cercle, si restreint qu'on aurait dit que le reste du monde, les autres, n'était qu'un fantasme, fruit de leur imagination. Et ce qui m'avait paru le plus absurde dans leur histoire, celle de mes géniteurs, c'était moi. Née à terme, la peau blanche, taille 50 cm, poids 3,5 kg, bercée nourrie pour la forme, plus tard recroquevillée sous ses couvertures ou tapis quelque part dans la maison. Tout portait à croire que j'existais uniquement pour justifier le chemin qu'ils avaient pris ensemble. Ils pouvaient dire qu'ils avaient une fille en me poussant devant eux. Eh ben regardez, elle est là. Là, oui. La vérité, père et mère m'avaient conçue sans trop savoir pourquoi. Ou peut-être par devoir, ou conformément à un ordre social. Comment l'expliquer ? C'est comme si vous étiez invité à dîner chez quelqu'un. Et lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il ne vous attendait pas.
Il est même très surpris de vous voir, vous présenter comme ça chez lui sans prévenir, mais étant donné les circonstances, vous avez fait la route, vous êtes déjà là, il ne faut pas, en vous renvoyant, que les autres invités soient témoins d'un tel manque de civilité. Alors, il vous fait un peu de place en ajoutant un couvert, mais à une table séparée. La primo-parentalité ne laisse pas les concernés indifférents. Ces derniers sont submergés par un tas d'émotions qu'ils ne savent pas toujours gérer. C'est une nouvelle vie qui est là. Comment l'accueillir? Lui accorder la place qu'elle mérite? L'aimer? J'étais forcée de constater que pour mes géniteurs, c'était juste une formalité, un passage gênant obligé. Un couple sans enfant est comme un arbre sans racines, la risée du village. Dit un jour grand-mère pour répondre à cette question qui me revenait sans cesse et que j'avais fini par lui poser. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Je m'assoupissais quand soudain j'entendis des pas dans le couloir vers ma chambre. La poignée de porte tourna en grinçant légèrement. Oh là, elle est bourrée, me dis-je en pensant que c'était ma connasse de mère qui revenait pour me saouler avec ses conneries. La porte s'entr'ouvrit doucement et laissa apparaître la stature herculéenne de l'homme. Résonnaient encore des éclats de voix et d'incroyables quintes de toux. Un courant d'air traversa la pièce, me fit frissonner, me revinrent aussitôt à l'esprit ses récentes gentillesses envers moi et je pris peur. Bonne nuit, ma petite, susurra le gros serpent. Et puis, il referma la porte après environ 10 secondes. J'ai souvent repensé plus tard à ces 10 secondes, à quel point elle me torturait, préfigurait une chute à laquelle la petite fille n'était pas préparée, à laquelle personne n'est préparée. Mais bon, il n'y a aucune raison là pour que ça finisse mal. Mais le lendemain,
Dans le salon, en présence de grand-mère, mère affirmait qu'elle avait regretté d'avoir cuisiné pour cette bande de... sans dire pourquoi. Et puis elle avait juré qu'elle ne cuisinerait plus jamais dans cette maison. Si c'est pas toi, ça sera qui alors ? Demanda père. Ah mais t'es gonflé de me parler comme ça, je me défonce tous les jours pour toi. Et c'était parti. Ils se sont rentrés dedans pendant au moins une heure, en se suivant et se hurlant dessus dans presque toutes les pièces. Le lendemain, ils s'étaient encore disputés en présence de l'oncle, qui entre-temps n'y allait pas de main morte en reluquant mes petites jambes. Ma petite poitrine, en caressant son bidon et en se léchant les lèvres, m'attrapait au passage et me forçait à m'asseoir sur ses genoux, me serrait dans ses bras, me tripotait adroitement. C'était écœurant, je me débattais sans appuyer ses gestes pour ne pas être insolente. Et je lui disais de me laisser tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, j'aime pas qu'on me touche là, j'aime pas qu'on me touche. À peine émergée de ces scènes avec père, mère trouvait ça mignon. Mais c'est mignon, toute cette attention de l'oncle à mon égard, je devais être reconnaissante. Elle souriait en me fixant méchamment, désavouant mon attitude. La haine est mille fois plus dure dans les yeux d'une mère. Figurez-vous qu'un jour, elle m'avait demandé, oui, celle qui m'avait mise au monde, rappelle-moi ton nom, toi, déjà. On aurait dit que le seul moyen d'apaiser les frustrations de sa vie conjugale était de m'étouffer, me réduire en miettes, me faire perdre toute confiance en moi-même. Plus tard, seule à seule, dans la cuisine, par exemple, elle me traitait de sauvage, petite conne, petite conne, petite conne. Ton oncle, il a beaucoup d'affection pour toi, il t'aime, mais toi, t'as aucun respect pour lui, pour personne d'ailleurs, t'as aucune limite, t'as pas de limite, t'as pas de limite. Elle me parlait ainsi pour que je me sente ridicule, mais c'était pas le cas, c'était au frère du père qu'elle aurait dû s'en prendre. J'avais rien fait, moi, sinon être une jeune adolescente sous les projecteurs d'un vieux dégoûtant. J'avais du mal à imaginer qu'elle avait rien compris ou qu'elle faisait semblant. Quel oncle serre sa nièce aussi fort et aussi longtemps dans ses bras? Quel parent assiste à ça sans se demander ce qui se passe et redoubler de vigilance? Le pire était à venir. Ensuite, j'ai été violée. C'était un samedi. J'avais 13 ans, non, peut-être 14 ans. J'avais décidé ce jour-là de changer un peu, d'être à la hauteur des nouvelles émotions qui m'habitaient depuis quelques mois. J'ai pris un long bain, je me suis rasée, j'ai mis du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles pendantes en or blanc, elles appartenaient à mère. J'ai attaché mes cheveux en queue de cheval haute, enfilé une petite culotte en dentelle et un crop top léger sans manches qui laissait transparaître mes seins nus et drôlement pointus. Je me suis installée en lotus sur le canapé avec un bol de céréales, la croupe légèrement relevée. J'avais vu dans un magazine la photo d'un mannequin dans la même tenue et dans la même posture. J'avais envie d'être aussi belle qu'elle, de me sentir dans un vrai corps de femme, et c'était le cas. Moi, j'étais pas une Marilyn, mais j'étais bien. Il suffit parfois d'un rien pour atteindre ce qu'on croit être la meilleure version de soi. Et cette nouvelle moi-même me plaisait. Je l'admirais comme un songe soutiré à la mer, une flamme au plus profond des désirs. Je dessinais dans ma tête d'adolescente le chemin le plus court, le plus juste, vers la façon de l'habiter pour de bon, de la faire durer, quand tout à coup, derrière moi, se révéla une présence. Je me retournais brusquement. Mon cœur vola en éclats. C'était le condor. J'avais peur, mais lui et moi, on savait que c'était une question de temps. Que derrière l'oncle affable se cachait un affreux serpent. Depuis le soir où cet animal venimeux était apparu sur le pas de la porte de ma chambre, je savais que j'étais condamnée. Dès que l'occasion se présenterait, il n'hésiterait pas à me sauter dessus et à m'inoculer son poison, cette maladie qui le rongeait. D'une seule main, l'oncle écrasa ma figure contre le cuir du canapé. De l'autre, il sortit sa... J'avais mal. Il m'a forcé à le regarder. T'aimes ça, hein? Hein? Dis-moi que t'aimes ça. Dis-le. Hein? T'aimes ça? L'ensemble a duré quelques minutes, mais c'était une éternité pendant laquelle une jeune adolescente se faisait violemment fourrer, humiliée par un cinquantenaire. Le commencement de la mort,
Et la preuve que ce monde est pourri, se range du côté des répugnants, c'est qu'après son acte, l'oncle était tranquille, libre de ses mouvements, rien n'avait changé pour lui, rien à se reprocher, alors que pourtant, j'avais tout raconté à mère quelques heures après, j'avais eu le courage de le faire. C'était une très mauvaise idée. À la vérité, elle n'aurait pas pu m'aider, mère. Quand on passe sa vie à rater son train, à churer des souvenirs, sans inventer d'autres, des faux meilleurs, on n'est rien qu'un cadavre qui respire. Le malheur de l'autre, même celui de son propre enfant, n'est à ses yeux qu'un fleuve qui suit son destin vers la mer, vers le néant. Pourquoi tu nous fais ça ? C'est la première chose qu'elle m'avait dite avant de s'enfermer à double tour dans le déni, persuadée que j'avais inventé tout ça parce qu'elle me l'avait déjà dit et répété un tas de fois. J'aime pas cette famille. Tu veux notre fin ? C'est ça, mais maman, regarde, j'ai des ecchymoses, des griffures. Tu crois que je me suis fait ça toute seule ? Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Cette petite manipulatrice, j'en ai suffisamment entendu. Écoute-moi, petite garce. Si tu racontes ces conneries à qui que ce soit, je te jure que je vais te tuer, je vais te tuer de mes propres mains. Tu comprends ce que je te dis ? Je vais te tuer, je te tuerai, je te tuerai. Tu m'entends ? Comment avais-je pu me laisser abattre par la voix désobligeante de ma connasse de mère ? Pendant les jours, les semaines qui ont suivi mon agression, en rentrant de l'école, elle m'attendait sur le pas de la porte. Elle voulait s'assurer que tout allait bien, que j'avais pas déconné. Elle avait peur du qu'on dira t-on et pour sa réputation. J'espère pour toi que t'as rien dit à personne. Ferme-la, arrête de mentir, arrête, regarde-moi quand je te parle, regarde-moi. Tu sais très bien que tu mens, c'est impossible. C'est ton oncle, c'est un humaniste, c'est un philanthrope, c'est un écologiste. Il apporte son soutien au Resto du Cœur, au Secours catholique, au Secours populaire français, à Emmaüs, au petit frère des pauvres. Il a fondé le CISA, le Comité international des sauveurs de l'Afrique, pour venir en aide au continent africain. Il sauve l'Afrique, il vient de faire une donation pour la construction d'une nouvelle crèche dans la ville la plus proche. Tu entends ça ? C'est un grand monsieur, c'est un élément important et valeureux pour notre communauté. Et puis c'est le frère de ton père. Comment tu peux l'accuser d'une chose aussi grave ? Tu manques de rien, on te donne tout ce que tu veux, mais ça fait pas toi le du monde, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me nuire ? Me punir ? C'est ça de pas être une mère comme les autres parce que... Mais il s'agissait pas de toi, mère. Mais de moi. De moi. De ta fille. Violée par ton beau-frère dans ton salon. Il y a des parents... qui n'ont rien vu venir, qui ne se rendaient compte de rien, mais qui par la suite font tout, par tous les moyens, pour aider leur enfant à traverser cette épreuve, à se reconstruire, à la protéger contre d'autres crimes du même genre. Mais toi, toi, non seulement tu ne m'as pas cru, mais tu n'as jamais voulu prendre conscience de la gravité des faits. Tout le reste passé avant moi, avant cette plaie profonde que j'étais devenue à un âge où j'aurais dû être une fleur épanouie. Même les roses du jardin, tu les préférais à moi. Tu les avais minutieusement choisies selon des variétés et des coloris différents. Rouge, jaune, orange, blanc. Tu prenais soin de bien drainer le sol, de les planter en automne pour les fortifier. Tu les nourrissais avec du compost en les humectant régulièrement, en retirant les feuilles mortes et les fleurs fanées. Depuis la fenêtre de ma chambre, je te regardais t'adonner à cette tâche. Mais les soins pour réparer les dégâts intérieurs, il n'y en a pas. Bref. Qui s'intéresse à une fleur fanée. L'idée de faire des performances poétiques s'est imposée à moi, comme si je finissais par me rendre compte que j'étais née pour ça.
Ma santé physique et mentale en dépendait. J'essayais de résister, mais en vain. Donc je me suis acheté une guitare. Ensuite, fallait prendre des cours, m'y atteler, vivre que pour ça. Et puis me réveiller au bout de 6 mois de pratique non-stop pour rencontrer des gens dans le milieu de l'événementiel et parler de mon nouveau délire. Rien ne me retenait. Je devais être terriblement paumée pour me lancer dans cette guignolerie. Peut-on devenir artiste du jour au lendemain, comme ça, parce qu'on l'a décidé ? Bon, j'avais dit à mes géniteurs que je voulais être musicienne simplement pour leur faire comprendre que désormais c'était moi, la propriétaire de ma vie. Je n'avais en fait aucune idée de ce que je pouvais apporter dans ce domaine. Mais il suffisait de regarder de plus près comment certains se trouvaient une passion et s'extirper de leur trou du jour au lendemain. Je m'étais bêtement dit que c'était peut-être mon tour. Au moins pour le fun, pour rire, pourquoi pas, sait-on jamais, hein, juste pour y croire. Vu qu'à Paris comme ailleurs, les ambitions se fabriquent en un tour de main, des fabricants de génie, c'est pas ça qui manque, ils sont balèzes, hein, ils ont leur propre moule. Hein, et ça peut pas louper, le vent ou la boue, il y a toujours moyen de s'arranger pour que ça revienne au même. Et s'il venait à manquer un incomparable génie, une lumière aveuglant le siècle, il le ferait naître à coups de burin sur la voûte du ciel, s'il le faut. Donc j'avais regardé sur Internet... Slameuses françaises, il n'y en avait pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Ou alors, elles étaient toutes d'origine étrangère. Et au lieu de me questionner là-dessus, de chercher à comprendre, je me suis mise tout de suite au boulot. Lire, prendre des notes, écrire, améliorer ma technique à la guitare, en me disant naïvement, voilà un espace à conquérir, voilà un monde à changer. Je dis naïvement parce qu'en vrai, que je sache, le slam, la poésie, ça n'a rien changé du tout. Ça sert à quoi ? Bon, faut arrêter de se mentir. Hein. Puis une femme qui s'y adonne se fait gentiment mettre dans une boîte à côté ou taper sur la gueule. Ce qu'on prédilectionne à tout va en voiture, voilà, c'est des voix de... T'es où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Go ? Go ? Go ? Bitch ! Bitch ! Dick ! Suck my dick ! Des voix de mec, ça gronde, c'est des chiens, c'est ouh, bou, 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 vas-y. Vendeurs de trémolo puéris, les arracheurs de larmes, les amuseurs de galeries, c'est d'un embarras, la vérité, y a rien à conquérir, y a aucune place à occuper, sinon sa voix, peaufiner sa mort. Bon, pour être tout à fait honnête, j'étais pas très fière de mes premiers écrits, dans un style un petit peu plan-plan. Je m'apitoyais sans cesse sur mon sort, dans une langue pauvre. Car ils avaient été écrits justement par la jeune femme dans le miroir, belle, pleine de santé. Alors que moi, je me sentais vieille à l'intérieur, vide et remplie d'une colère infinie. Il fallait tout retravailler en tournant mon regard vers l'intérieur, à l'écoute de la vieille femme en moi. Chaque matin raconte la même histoire, les reflets éteints en pleine croissance, la folie muée vers une étincelle d'utopie, la mémoire tournant rond dans un corps qui se cherche. Aucune route ne mène à l'aube d'une simple joie, aucune route ne mène à l'aube d'une simple joie. Mes mots s'ouvrent à la nuit, serrés contre mes seins, tel le dernier instant du souffle. La poésie a apporté à ma vie quelque chose d'incroyablement nouveau, comme le meilleur endroit où aller. J'ai consacré un temps fou, dans une transe dont je mettais parfois des heures à émerger. Mais il fallait manger. Et je commençais sérieusement à manquer d'argent. Je ne recevais plus de virements de mes géniteurs depuis un moment. Je ne serais pas étonnée que père, ce con, ait pensé en me coupant les vivres que ça pourrait me décider à revenir sur mes choix d'enfant gâté. Et peut-être à rentrer à la maison, en enfer, ignorant jusqu'où j'étais prête à aller pour cesser d'être leur fille. Dans un café-concert à Ménilmontant, géré par un jeune homme d'Europe de l'Est. J'étais, disons, engagée pour faire la première partie d'un slameur camerounais plus ou moins connu. Son nom m'échappe. Là. C'était ma première scène.
Aujourd'hui, en y repensant, j'en rigole. Je me suis bien foutue de ma gueule, en fait, en croyant que j'avais du talent. Et puis pas pour n'importe quoi, pour la poésie. Monter sur scène pour faire quoi ? J'aurais dû foutre le camp, laisser le monde poursuivre son nom, mais au lieu de ça, j'ai branché ma guitare, posé mes feuillets sur un vague pupitre. J'ai pris un air inspiré. Devant moi, il y avait des regards de toutes sortes. Je m'en souviendrai toujours. C'était pas une simple vue d'esprit. Ils me regardaient, énigmatiques, des regards de... Et si t'es pas à la hauteur, je te flingue. De quoi qu'il en soit, moi je vais t'applaudir pour pas montrer aux autres que je suis un public horrible, surtout avec les débutantes, les petites bourgeoises là, qui feraient l'impensable pour que leur existence ne leur soit plus un obstacle, un vide à remplir. Mais après ta performance à la con, avec mes amis, on va commander de la bière et on va passer le reste de la soirée à te tailler, ça tu peux me croire. Oui. Tandis que je lisais tout ça dans ses yeux, rivés sur moi tels des flèches arquées. D'autres continuaient leurs petites affaires à côté, tapaient leur verre sur le comptoir, sortaient, rentrer, s'esclaffer. Pourquoi s'obligerait-il à se taire ? À la base, ils étaient là pour autre chose, pas pour moi. Non, vrai. Et c'est qui cette nana, là ? C'est qui cette nana ? Tout le monde s'improvise poète, maintenant ? À croire que c'est devenu une maladie ? Si mes géniteurs ou mes anciens amis de la Sorbonne me voyaient là sur cette scène, qui n'était pas une scène, mais un petit carré aménagé dans le prolongement de la salle, les yeux fermés pour ne pas me laisser déconcentrer par ceux du public, avec ce micro à la main, mais ils n'en seraient pas revenus. En même temps, c'était pas pire qu'être pute, au coin de la rue. C'est qu'il aurait été difficile pour eux de comprendre comment on peut en arriver à abandonner des études de lettres à la Sorbonne pour devenir slameuse, et quémander des pourboires en faisant passer le chapeau. Ah, mais quel gâchis! J'avais mis un terme depuis longtemps à mes performances poétiques, donc logiquement je n'étais plus poète ni intermittente. Je ne cumulais plus d'heures, je continuais à toucher le RSA parce que l'État considérait que j'étais une personne précaire, toujours dans le rouge financièrement. Je me nourrissais en faisant les fins de marché à Télégraphe le mercredi et samedi, à Pyrénées le jeudi et dimanche. Les marchands, avant de partir et pour ne pas avoir à jeter les produits périssables, les invendus défraîchis mais encore mangeables, les laissaient pour quelques centimes d'euros ou gratuitement. Donc je pouvais remplir mon frigo pour une semaine en glanant comme ça concombres, avocats, oranges, pommes, poires, kiwis, fraises, tomates, ananas, cerises, framboises, melon, banane, courgette, nectarine, abricot, pamplemousse, pêche, poire, pomme, raisin, betterave, aubergine, brocoli, carotte, brocoli, clémentine, champignon, chou, laitue, épinard, maïs, poivron, patate, radis, etc. Mais le plus compliqué, c'était le loyer. Un 11 novembre 2015, inoubliable. Après avoir déposé mon CV, je retrouvais vers Bastille des amis qui m'invitaient à boire un verre. Le RER était bondé, comme à chaque fois que je le prenais. La voix cafeteuse de la RATP rappelait que des pickpockets peuvent être à présent à bord et sur le quai. Nous vous invitons à faire attention à vos affaires personnelles. Parallèlement, en filigrane, se lamentait un homme. Mesdames, messieurs, bonjour, pardon, pardonnez-moi de vous déranger. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 59 ans. Si je suis parmi vous, c'est parce que j'ai un problème, évidemment. Au moment où je vous parle, j'ai juste de quoi fumer. Je suis à la rue. J'ai pas de travail, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis 2 jours. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me faire l'aumône d'une pièce, un billet, un ticket restaurant, un truc dans votre sac que vous voulez pas manger. Donnez-moi ce que vous pouvez, aidez-moi s'il vous plaît,
Encore pardon, pardon. Vous êtes là tranquillement assis dans votre train. Je devrais pas être là, vous importuner ainsi. Mais croyez-moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis désolée, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, moi, pardon. Pardon de vous avoir dérangé. On vous souhaite une belle journée, pardon. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle, vous avez fait tomber votre... Je me retournais. Se tenait devant moi un homme grand, beau, élégant, avec à la main l'écharpe fine en cachemire que j'avais achetée dans une brocante rue des Pyrénées. Je l'avais accrochée à l'anse de mon sac. « Tenez !» Il me l'attendit en souriant, sans me quitter des yeux. Puis il dit « Vous voulez pas que je vous suive comme ça, vous pourrez faire tomber ce que vous voudrez, je le ramasserai. » J'ai souri, j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas? Combien de nanas vous avez déjà suivi comme ça ?»« Ah, je sais pas. » Dit. En tout cas, vous êtes la première à accepter. Je peux dire que c'est mon jour de chance. Ah bon? Oui. Vous pensez vraiment ça? Oui. Ah bah, vous êtes très belle. Merci. Mais vous croyez qu'on peut s'intéresser à quelqu'un juste pour sa beauté? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était complètement nul. Avouez que vous avez dit ça pour me faire tourner la tête. Vous m'avez percé à jour. Il serait temps de réviser ma bonne vieille technique de drague. On est allé au coin interdit, ce bar là, au plafond bas, où le barman est bourré avant même de commencer le service. Le verre de Morito, on aurait dit une petite tour Montparnasse. Vous en buvez deux et hop, ça y est, c'est fini. Je présentais l'inconnu à mes amis, qui n'en étaient pas depuis longtemps. Je vous présente... c'est quoi déjà votre nom ? Orcel. Jusqu'à preuve du contraire. Bon, les amis, je vous présente Orcel. Voilà, on vient de se rencontrer dans le RER il y a 10 minutes. Je peux déjà vous dire qu'il a un talent très particulier. Il ramasse avec brio tout ce que fait tomber une femme, regardez. Et comme une mauvaise actrice dans une comédie américaine des années 1930, je fis tomber exprès mon écharpe. Hop. Il l'attrapa immédiatement avant qu'elle ne touche le sol et la présenta à tout le monde comme un trophée. Mesdames, messieurs, Orcel, pour vous servir. On éclata tous de rire. Et ça continua à boire, parler de tout, de rien, jusqu'à minuit. On alla danser au Bailamos. Et puis je l'invitais à boire un dernier verre chez moi. Le 12 novembre 2015, on passa la journée ensemble. Jamais je ne m'étais sentie aussi vivante, aimée. Il était entièrement là, comme s'il avait toujours vécu dans cet appartement avec moi. Personne d'autre ne l'attendait ailleurs. Je lui demandais ce qu'il faisait dans la vie. Il répondit comme dans un film qu'il rattrapait le temps perdu en faisant ma connaissance. Il y mit du style afin que je comprenne bien que cette phrase n'était pas de lui. Et plus sérieusement, il me parla de sa vie. Bon, vous l'aurez compris, c'était un homme sensible, plein d'humour, de bonnes intentions. Tous les sujets étaient simples, on riait de bon cœur. J'avais 4 ans lorsque j'ai vu un blanc pour la première fois. Tu peux pas imaginer ce que c'est pour un enfant dont les yeux s'étaient habitués à ne voir que des gens noirs. J'ai dit, maman, regarde, cet homme, il n'a pas de peau. J'ai pris la fuite et je suis allée me cacher derrière un buisson terrifié. Et puis, d'autres blancs sont arrivés. Ils sont devenus de plus en plus intrusifs. Je les appelais les sans-peau. Ils se sont mis à dicter, imposer, officialiser partout leur façon de faire, vivre, penser, agir, aimer, mourir... Certains les écoutaient et mettaient en pratique leur lumière, d'autres s'en battaient les couilles. Et ça pouvait aller jusqu'à un génocide quand ceux qui observaient prenaient les valeurs des sans-peau, s'en prenaient à ceux qui y voyaient une infantilisation élaborée des cultures locales. Si ça se trouve, tes ancêtres ont vu les miens pour la première fois au zoo humain du jardin d'acclimatation. Ha, ha, ha. D'un côté, les venus d'ailleurs, les êtres hors normes, les sauvages, et de l'autre, les authentiques civilisés. C'est fou, hein, quand on y pense. Ça, c'est fou. Je lui avouais que ma réaction, toute proportion gardée, était quelque peu étonnante aussi. La première fois que j'avais vu un noir dans mon village, j'avais 5 ans. L'enfant noir en question aussi, j'étais choquée. Je pensais qu'il était sale. Je lui frottais la peau pour vérifier. Ha, ha, ha. Et puis je me retournais vers mère et je lui demandais si je pouvais inviter le petit étranger à prendre un bain chez nous.
Orcel m'apprit à dire « Je t'aime » en bambara. Nbife. Moi aussi je t'aime. Nyelebife. Ou encore « Jinye chikika yeleye. La vie est un escalier. » Ou encore « Annenaya yeni kabakolochera. On aura vu des choses sous le ciel bleu. » Le soir, on est allé dans un bar qu'il aimait bien, rue du Faubourg Saint-Denis. Le client était autorisé à mettre sa musique. Il était prévu à cet effet un ordinateur branché à Internet sur un tabouret derrière le comptoir. Le tube Afrobeat d'Orcel secouait la salle, qui se laissait naturellement porter par cette musique répétitive et enivrante, dans un mouvement de balancement maîtrisé. Le dos légèrement courbé, les jambes pliées, Orcel remua le bassin en rejetant la tête à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, gauche, à gauche, à droite, à gauche. Jamais vu quelqu'un danser comme ça auparavant. Imaginez une salle pleine, chantant à l'unisson au beau milieu du firmament. Et moi, j'appartenais complètement à la vague. Je voguais, affranchie de mes effacements, de mes complexes de petite bourgeoise. Jamais je n'avais été aussi près de mon corps, aussi près de la vie. Freedom, freedom, hey, hey, think, think, think about it, you, you of freedom, freedom, hey, hey, you, you, think, think about it, oh, freedom, freedom, oh, freedom. Orcel me regarda en m'adressant de réchef ce sourire plein d'une bonté inconnue. Je lui souris aussi et puis il y eut ce moment d'une rare tendresse où il prit mon visage entre ses deux mains et me dit en plongeant ses yeux dans les miens « Tu es la beauté même. Tu es la beauté même. » Avant de me serrer contre lui pour me rassurer, pour m'empêcher de dériver, tandis que nos hanches prenaient le large, refluaient, nous ondulions, nos lèvres unies, chaudes, fougueuses. Chaque nouveau morceau plongeait les corps et le temps dans un nouveau et délicieux chaos. Arrête ça! Arrête ça tout de suite! Hurla mère, la première fois qu'elle m'avait surprise en train de danser librement. Orcel me serra encore plus fort contre lui et je pouvais sentir son désir se durcir de plus en plus. Je brûlais, debout. Mais tu te crois où, là? Tu te crois où? Pauvre mère, si elle savait à quel point la danse fait du bien. Nos corps avaient quitté la musique et la salle depuis longtemps pour entrer dans un nouvel espace-temps, où des mondes lumineux se forment, se décomposent au rythme de notre souffle, de notre transe. On ne saura jamais le nom de ce lieu né de l'alchimie entre deux êtres. Ça devenait intenable. Orcel m'entraîna dans les toilettes, passa ma petite culotte sur le côté et me traversa de toute sa flamme. Thank you.
13 novembre 2015. Mon téléphone sonna. Il devait être 15h, je décrochais. Je te demande pardon, Orcel. Je n'aurais pas dû te rencontrer, te laisser me suivre. Tu n'aurais pas dû ramasser mon écharpe. Une écharpe, c'est rien qu'un bout de tissu. Ça se perd, ça se rachète. Pendant ces 3 jours, nos mains ne se lâchèrent pas. Il y avait une telle douceur dans ton regard, dans tes gestes. J'étais heureuse. Une femme heureuse ne devrait jamais répondre au téléphone. Un ami avait prévu d'aller à un super concert, pour reprendre ses mots, mais un empêchement de dernière minute l'obligeait à donner son billet à quelqu'un. Ça te tente d'y aller ? Le groupe s'appelle Eagles of Death Metal. Et c'est au Bataclan. Crois-moi, ça va être génial. J'ai dit, mais je connais pas ce groupe, mais bon, pourquoi pas ? C'est tout. Ce bref appel contenait la force d'un séisme, d'un coup mortel, mais je ne le savais pas encore. Vers 17h, j'ai eu un gros coup de barre, j'en pouvais plus, contre-coup de la soirée au Faubourg Saint-Denis. Je suis désolée, je ferai pas long feu ce soir. Mais le concert, me demanda Orcel, j'irai pas. Mais vas-y, toi, si tu veux, comme ça, j'aurais pas dit oui pour rien. Tu me feras des câlins en rentrant. T'es sûre ? J'ai dit, oui. Va danser pour nous deux. Je me suis couchée vers 21h30, avec la fenêtre de ma chambre entrouverte. Je pensais à ces 3 derniers jours avec Orcel, c'était parfait. Pour la première fois depuis longtemps, je souriais dans mon lit comme une gamine, je me sentais vivante. Bon, j'étais amoureuse. Il m'avait raconté sa vie, il était honnête. Je pensais aussi à toutes ces choses que nous ferions plus tard. Et puis soudain, on a frappé, à coups répétés à la porte. La voix a crié, c'est moi, Enfali. Je rejetais ma couette sur le côté, sautai du lit, allais lui ouvrir. Il se précipita à l'intérieur, se jeta dans mes bras, effondré. Je ne sais pas comment décrire l'orage qui secoua son corps, ses cris. Mon frère, putain, il ne décroche pas, il ne répond pas. Oh mon Dieu, pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Enfali ? Lui demandai-je. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te mets dans cet état ? Parle-moi. Il leva les yeux, mais il ne me regardait pas. Sa conscience avait déjà accédé à un lieu proche de l'effacement, ce terrible lieu quand le monde s'écroule et nous tombe dessus. Et il dit en tremblant, « Belle-sœur, des mecs armés de Kalachnikov sont entrés au Bataclan et ont tiré sur la foule. » Lettre aux 2 mois. J'avais lu quelque part que plein de choses se remettent en ordre dans sa tête quand on écrit à soi-même, à son enfance ou à la personne qu'on sera plus tard. Apparemment, ça nous permet de prendre du recul, de s'échapper d'une souffrance psychologique, de quitter la tempête qui nous dévaste pour approcher en nous des horizons plus ou moins stables. Mes chers moi, je vous écris à vous deux en même temps, car il est question ici de rassembler dans un espace poétique, vivant, la petite fille que j'ai été et l'adulte que je suis aujourd'hui. Elles sont liées, une vie, c'est le même fil. Au cours de ces 20 dernières années, vous avez bien changé. Cela ne s'est pas fait sans souffrance, toute une série de crashs qui nous ont permis de mieux comprendre et d'assumer notre regard vis-à-vis du monde. Je regrette de n'avoir pas pu trouver assez de force en moi pour me relever lorsque vous avez voulu que je sois forte. Nous nous sommes perdus de vue, oubliés. Entre le jour où l'oncle pédophile et incestueux m'a inoculé son venin, mon départ pour Paris,
le bref bonheur que j'ai connu avec Orcel, ma défenestration ratée, la lutte infructueuse pour m'affranchir de l'emprise de Mackenzie, etc., etc. On aurait dit que tout ça avait été écrit et devait s'accomplir coûte que coûte. Vos silences, vos peurs ont hanté mes nuits. Vous m'avez appris qu'aucune femme n'est plus grande que la petite fille qu'elle a été. À partir de la mort, tout recommence. Bonsoir.
C'est vrai qu'on se disait que qu'ajouter à cette lecture si intense, tout est dit, quoi. Je sais pas. Ouais, on va être un peu moins bon, je pense. Je sais ouais, pas. Vraiment incroyable. C'est, merci beaucoup. C'était incroyable. Merci à Gaspard, merci à Marie-Sophie, je suis désolé. Voilà, c'est peut-être pas très sain pour un auteur d'assister à ça après avoir écrit un livre tous les jours pendant 3 ans. Moi, j'ai vécu avec cette femme. J'ai été elle pendant 3 ans. Donc, si vous voulez, ce livre, c'est une vraie projection dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une autobiographie imaginaire. Et donc, moi, pas ce style, mais cette idée, cet esprit-là, de cette façon de faire du roman, j'ai découvert avec un roman qui me parle toujours, d'ailleurs, et auquel je pense presque tous les jours. C'est le roman de Natsume Soseki qui s'appelle « Je suis un chat ». C'est un roman japonais qui est publié au tout début du XXe siècle, 1906, je crois. Et ce roman raconte une histoire assez folle. C'est un monsieur qui accueille un chat chez lui. Et le chat, observateur silencieux et plein d'esprit, témoin et chroniqueur de tout ce petit monde-là, du luberlu qui gravite autour de la vie de ce professeur. Donc, il va faire l'apprentissage de la vie aux côtés de ce professeur de littérature anglaise et on découvre tout ce monde-là à travers sa voix. Et donc, la voix qui porte le récit, c'est la voix du chat. Et je ne sais pas si je me rappelle les premières phrases. Il dit « Je suis un chat, pour l'instant je n'ai pas de nom et je ne sais pas encore où je suis ». Et c'est une vraie projection dans la vie de quelqu'un d'autre, portée par une voix assez présente et distante à la fois. Et quand j'ai découvert ce roman, je me suis dit direct, j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire de me retirer le plus possible, de m'effacer et de laisser toute la place à une voix, à un corps, à une histoire, à une société. Voilà. Alors, vous parlez d'effacement. J'en profite pour dire que dans le roman dont on vient d'entendre un extrait, il y a deux personnages qui s'appellent Mackenzie et Orcel et que c'est votre nom. Oui, histoire de pousser la démarche un peu plus loin. C'est-à-dire, à un moment donné, parce que tout le roman se lit dans cette distance et ce rapprochement aussi entre les contraires, le jour, la nuit, le village, ce village français paumé, presque pré-cartésien, et Paris, qui la grande ville, le bouillonnement, le mouvement, la modernité, il y a tout le monde. Et puis à un moment donné, je me suis dit ouais, pourquoi pas, voilà, et j'ai décidé de séparer mon prénom de mon nom de famille et opérer une nouvelle projection, c'est-à-dire Mackenzie Orcel n'a absolument rien à voir avec moi. Alors, et Mackenzie Orcel, c'est un être complètement paumé, perdu, il ne parle pas de sa famille, on ne sait pas d'où il vient, il est incapable de s'engager. On a l'impression qu'il vit éternellement dans une sorte d'impossibilité de s'accrocher à quelque chose. Et Orcel, qui est là, qui est présent, qui est aimant, lumineux, dans un rapport très intéressant à la vie, à l'autre, il raconte son histoire, alors que Mackenzie en est complètement incapable. Orcel raconte son histoire, il vient du Mali avec ses deux frères, Nsédou et Nfali, ils vont arriver à Clichy-sous-Bois. Et voilà, ils vont connaître toutes les péripéties de l'immigration et tout. Donc voilà, toujours dans cette idée de faire fonctionner ce rencontre entre des contraires. Et voilà. Mais des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Cela dit, on n'écrit pas sans soi-même. C'est un peu paradoxal. On n'écrit pas sans son enfance, sans ses lectures, sans ses voyages, sans ses peurs et tout. Moi, je me rappelle après L'ombre animale. Alors, L'ombre animale, pour préciser, qui est le premier volet de la trilogie, ouais. Que là, vous poursuivez avec Une somme humaine.
et où le personnage est aussi une femme, donc sur le point de mourir, déjà morte, un peu comme ouais. ici. Et c'est vrai qu'au-delà de deux questions, déjà, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on n'a pas un peu peur de se mettre dans la peau d'une femme avec tout ce que ça implique, aujourd'hui ou pas d'ailleurs ? Et puis, est-ce que vous pensez que les morts sont plus intéressants, ou en tout cas parlent de manière plus intéressante, plus juste que les vivants ? Je pense que c'est ma mère hein, qui a mis les morts dans ma tête. Parce qu'elle racontait beaucoup d'histoires et tout. Et à chaque fois, elle racontait des histoires de gens qui ne sont plus là. C'est ce qu'elle disait, de ceux, celles et ceux qui ne sont plus là. Et puis un jour, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu racontes et l'histoire de ces gens, nous, on est là, quoi. Tu peux parler de nous, tu peux parler des voisins et tout. Et de répondre, elle a dit, si on ne parle pas d'eux, ils vont complètement disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Et je me suis dit, peut-être qu'il y aurait moyen d'annuler la mort. C'est-à-dire, c'est ça mon projet, d'annuler la mort, de faire en sorte qu'elle devienne un truc complètement banal, sans trop d'importance, comme l'enfermer dans une image simple, l'image d'une fenêtre, d'une porte. Et voilà. Donc, parce que nous, on ne sait pas en parler. Dès qu'il s'agit de la mort, on est complètement perdu. C'est là-bas, c'est l'insaisissable, c'est l'autre côté. Et toute l'histoire de l'humanité pourrait se résumer à ce truc que Saint-Augustin appelait la trifidité de l'existence humaine, le présent, le passé, le présent, le futur, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le matin, le midi, le soir. On est enfermé dans cette parenthèse, dans cette parenthèse trifide. Et je me suis posé la question, mais avant le passé, il y avait quoi ? Et après la mort, il y aura quoi ? Et donc, du coup, de planter le décor dans le lieu de la mort même, c'est de l'annuler. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est comme voilà, c'est comme si elle était plus une question. Voilà, c'est plus une question parce que il y a quelqu'un qui habite de l'autre côté et qui nous parle depuis l'autre côté et qui nous dit tout. Et le plus romanesque dans ça, pour ne pas dire le plus intéressant, le plus romanesque, c'est que à partir du moment où, parce qu'il y a un adage ou un proverbe en Haïti qui dit le mort est dans la vérité, le vivant est dans le mensonge. Pourquoi ? Parce que le mort a déjà traversé, a déjà fait le voyage. Donc depuis là-bas, il peut pas y avoir de passé, de présent, de futur. On est dans une sorte de continuum. Et là, dans 5 minutes, on peut pas savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire à 16h40, moi j'étais tranquille chez moi, à Port-au-Prince, ma mère était là, tout le quartier vaquait à ses occupations, et à 16h44, tremblement de terre, et beaucoup de morts. C'est-à-dire, on ne peut pas, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on a vraiment, c'est l'instant, c'est maintenant, et c'est le présent. Et de planter le décor depuis là-bas, ça me permet de, comment dire, de mieux saisir la psychologie, l'intensité, les motivations de mes personnages. Alors, vous parliez de continuum. C'est vrai que le texte qu'on vient d'entendre, le roman, c'est de très longues phrases, même une longue phrase, je ne suis pas sûre qu'il y ait de points. Alors, justement, comme si donc, déjà il fallait bâtir quelque chose, donc, déjà rien que le titre, Une somme humaine, on se dit, c'est, voilà, vous avez fait le tour, vous avez bâti quelque chose. Il y a l'idée que vous faites des trilogies. Donc là, il y a une trilogie en cours. Vous en avez une autre en parallèle, il me semble, qu'un autre oui, cycle oui. que vous développez oui. aussi avec Maître Minuit. Enfin, vous oui. êtes dans l'architecture. Ouais. Donc, est-ce que vous avez besoin que ça soit immense, que ça soit une somme, que ça soit un continuum pour pouvoir écrire ? Non, pas du tout. Sinon, je m'ennuie. Je fais que ça, moi. C'est pas d'autres choses à côté. Donc, j'ai énormément de temps. Donc j'écris et j'essaye d'explorer des choses, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Je pense que je suis dans une phase de mon travail où j'ai besoin de revenir à certaines idées que j'avais déjà plus ou moins développées et les pousser encore plus loin, histoire de créer une vraie cohérence dans mon œuvre. Parce que là, il s'agit de 15-16 livres.
Donc, ça ressemble à une œuvre. Et là, j'essaye de créer et cette cohérence. Maître Minuit, c'est un roman qui se passe en Haïti, qui raconte 60 ans d'histoire d'Haïti. Mon personnage serait né dans les années 50, disons en 1950, donc 7 ans avant l'arrivée du dictateur, et François Duvalier. Et on découvre 60 ans de dictature et toute l'ambiance de ce pays à travers les dessins de Poteau. Parce que lui, ce qu'il fait, il dessine la dictature. Il dessine toute l'intimité de la dictature. Vous n'avez jamais vu un dictateur en pyjama. Lui, il le fait. Donc, et là, dans le second volet de ce diptyque, et je raconte l'avènement du fils. L'avènement du fils et aussi... aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui m'intéresse beaucoup, parce que vous savez, moi je vis comme tant d'autres, hein, dans une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire en même temps, moi j'ai un fils ici, je vis ici, je connais ce pays, je connais très bien la France, j'ai écrit Une somme humaine, la preuve. Et donc en même temps, là juste en face, il y a mon pays qui sombre dans l'obscurité absolue, dans une chute. Inénarrable. Et donc, moi, je suis habité par ce sentiment d'impuissance, sentiment d'impuissance qui, quelque part, me plonge dans une sorte d'inaction. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Pourquoi tu ne vas pas là-bas, descendre dans les rues, te faire tirer dessus, comme ça, tu meurs pour ton pays, on n'en parle plus. Et moi, je suis là, enfermé dans une pièce, à écrire des livres, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas ce qu'on peut changer avec ça, en tout cas, c'est ce que je fais, et c'est quelque chose qui me dévore. Et là, je fais ce petit livre justement pour répondre, pour formuler cette réponse à moi-même. C'est-à-dire, ça raconte l'histoire d'un jeune homme complètement introverti, qui s'enferme dans sa chambre, et après la mort de son père, il va découvrir le manuscrit écrit par son grand-père disparu pendant la dictature. Et là, ce manuscrit va complètement le réveiller et il va quitter les États-Unis parce que sa famille a émigré aux États-Unis dans les années 70. Et il va retourner en Haïti, participer à la révolution et à la construction de la confiance d'un nouveau possible. Voilà, j'écris ça. Pour revenir à Une somme humaine, donc, est-ce que vous aviez peur de vous mettre dans la peau d'une femme? Non. Non, je ne sais pas ce que ça change en termes de langage. Parce que ce qu'on fait, nous, on travaille sur... au-delà du travail sur la langue, on essaye d'inventer un nouveau langage, c'est-à-dire de dire les choses autrement. Et le problème, il y a un sérieux problème aujourd'hui, hein, c'est l'époque, il y a un problème de langage. Même les gens qui travaillent dans des domaines très spécifiques, qui parlent de décolonisation, qui parlent de féminisme, qui parlent d'autres choses, on a l'impression que même ces gens-là reprennent le langage dominant, reprennent la vision dominante pour défendre, c'est-à-dire pour défendre leur vision, leur nouvelle vision, pour défendre leur lutte. Et donc, moi, je fais ce travail dans la littérature, ce travail sur le langage. Après, ce que fait un écrivain, c'est assez simple. C'est-à-dire, un écrivain donne une voix à son personnage, c'est-à-dire raconte l'histoire de son personnage, raconte l'histoire d'une société, d'un pays, et il ne se met pas lui-même en scène. Et Poteau, ce n'est pas moi, j'ai raconté toute la vie de Poteau, de sa naissance, du moment où cette femme a été le volée à l'hôpital général et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas ma vie, Poteau. Et moi, je suis né en 1983. Là, on parle de 1950 à 1986. Bref. Et donc, je pense que c'est ça le travail, se projeter dans l'autre. Et donc, oui, quelque part, ma mère a contribué
ça aussi, parce que j'ai écrit L'ombre animale avec sa voix dans ma tête, vraiment, sa façon de parler, de raconter, c'était mieux que Flaubert, c'était mieux que Balzac, Victor Hugo, c'est mieux que tout ça, parce que moi, j'ai découvert, je ne dis pas ça pour rabaisser ces grands auteurs, parce que moi, elle a fait, sans s'en rendre compte, l'éducation, la construction de l'écrivain que je suis aujourd'hui. Après, il fallait aller vers les livres, lire Flaubert, Victor Hugo, Balzac, Natsume Soseki, Gabriel Garcia Marquez, Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis, Marie Chauvet-Dieu, Ida Flaubert. Il fallait lire tout ça, traverser toutes les littératures pour pouvoir trouver ma propre voix. Mais je ne peux pas oublier cette petite musique-là, parce que finalement, c'est ça, quoi. Si tu n'as pas ta musique, tu n'as pas ton son, tu n'as pas ta petite valse, ben, il faut faire autre chose, quoi. Alors justement les voix, parce que donc on a entendu Marie-Sophie Ferdan donc parler, dire la narratrice, mais en fait dans ce que dit la narratrice, il y a aussi toutes les voix de son entourage, de ce village, donc les différents personnages marquants du village avec leurs intonations, leurs mimiques, etc. Tout ça, donc parce qu'on est dans ce festival qui s'interroge sur les rapports entre fiction et réel, comment vous l'avez nourri? D'où ça vient? Parce que ce village est vrai de manière extrêmement troublante. Vous avez parlé d'une époque pré-cartésienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances dans ce village qui, du coup, font que on sait que ça existe, mais c'est assez peu connu dans la littérature. Je trouve qu'on en parle assez peu, qu'aujourd'hui, en France encore, il y a des croyances assez ancrées. Voilà, est-ce qu'il y a quand même un territoire d'où c'est parti, ou est-ce que ça vient de votre imagination ou d'un livre? Disons les deux. Moi, j'ai beaucoup voyagé en France, pour des rencontres littéraires, pour les vacances, des histoires. J'ai traversé pas mal de villages. Donc, dans le village et de mon livre, il y a un bout de ces villages-là, il y a un bout de ces mentalités-là, un bout de ces croyances-là, de ces traditions-là. Mais c'est un village fondamentalement français. Et parce que finalement, quand on regarde Paris, ça ressemble à des villages assemblés, voilà, et mis bout à bout. Ça ressemble beaucoup à ça. Par exemple, on peut prendre n'importe quel arrondissement parisien. Il y a la pharmacie, il y a le bureau de poste, il y a le boucher, il y a le bar à vin, il y a l'église, il y a la place. Donc, c'est des villages assemblés. Et donc, du coup, moi, je voulais, dans un premier temps, prendre ce village, parler de ce village et montrer à quel point l'éducation et la religion sont très importantes, parce que ce sont des visions qu'on véhicule, des pensées, des façons de faire, des façons de vivre qu'on véhicule à travers ça. Parce que au 19e siècle ici, l'instruction publique était payante, et donc était réservé à une certaine élite, et donc et c'est l'Église sous la domination et de l'Église. Et je voulais montrer dans ce village à quel point ces gens-là pouvaient pousser l'hypocrisie très 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 loin. C'est-à-dire à partir du moment où le curé c'est le représentant de Dieu sur terre, ben il fait ce qu'il veut. À partir du moment où l'oncle c'est celui qui possède des appartements, qui voyage, qui aide, qui a l'argent et qui a la voix au chapitre, ben il fait ce qu'il veut. Et puis, montrer comment tout ça vient écrabouiller tout le reste. Le reste n'existe pas. Ma narratrice, par exemple, elle a grandi comme une ombre. Avant, elle n'avait pas de voix. Je pense qu'elle a vraiment commencé à parler, à trouver sa voix à partir de la mort. Et quand elle dit à partir de la mort, tout s'éclaircit à partir de la mort. Donc il a fallu attendre ce passage, cette traversée, cette porte finalement, et pour pouvoir trouver sa propre voix. On vit dans un monde où la majorité n'a pas de voix, on n'en donne pas. C'est pas à nous qu'on passe le micro. Quand on suit l'actualité, ben on nous raconte n'importe quoi, on nous raconte des bouts de trucs comme ça, et c'est à nous de comprendre. Et hop, on passe à autre chose.
Et c'est très troublant. Et dans ce livre, je voulais prendre le temps, justement. C'est un peu long, c'est un peu chiant, c'est un peu pathétique, c'est émotionnellement insupportable. Mais je voulais prendre le temps de poser les choses, d'expliquer, c'est-à-dire Orcel, ce jeune noir, c'est pas qu'un jeune malien, c'est pas qu'un jeune noir, c'est pas qu'une image. Genre, quand on croise un noir dans la rue, on dit « Oh, il y a un noir !» Mais non, c'est quelqu'un qui vient de quelque part, qui vient d'une famille avec une histoire à raconter, avec une richesse culturelle, et qui est là, qui arrive là, en France, et qui a envie de rencontrer les gens qui sont là, qui a envie de partager, qui a envie d'apprendre. Et donc, ce n'est pas juste une image. Et moi, j'avais besoin justement de poser ça, de poser les choses, de raconter l'histoire et de sa source à maintenant. Alors, pour finir, puisque donc, ensuite, on doit aller... vous devez aller signer votre roman à la librairie dehors, dans le hall. Vous avez parlé d'opposition entre Paris, ce village... entre le Mackenzie Orcel, mais en même temps, j'ai l'impression que tous ces personnages sont reliés par un questionnement sur le bonheur. C'est-à-dire, déjà, ils se demandent tous comment vivre, mais surtout cette narratrice, mais aussi sa mère, s'interroge sur comment j'atteins ce bonheur. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle n'arrive pas trop justement à avoir une vision à elle du bonheur. Elle essaye de s'en sortir avec ce qu'on lui propose, comme quand elle se lance dans cette carrière dans le slam. C'est pas évident. On dirait que c'est un roman sur l'échec, mais qui a de l'empathie pour ça. Ben, disons, disons que il y a eu que des pis-allers, ce qu'on pourrait appeler des pis-allers, des petits moments d'éternité, des petits moments de bonheur comme ça, mais ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer pour une raison. Après, moi, je suis pas elle, hein, je peux pas tout dire à sa place, mais il faut tout considérer. C'est une nana qui a grandi dans une maison et avec des gens, avec des géniteurs, des gens qui l'aimaient pas, des gens qui étaient pas là pour elle, qui la regardaient pas, qui lui ont jamais dit tu es belle. Et voilà, on va faire une balade, faisons des câlins. Elle a jamais eu ça. Et donc, elle a réussi à partir, elle est arrivée à Paris, et là, sans rien, elle est arrivée à Paris, c'est un grand vide, avec plein de gens. Et de temps en temps, c'est sympa, et de temps en temps, c'est pas sympa. Et je pense que le gros drame de sa vie, c'est qu'elle n'arrive pas à... Elle ne sait pas quoi faire de cette histoire, l'histoire du viol. Et donc, elle l'a dit dans sa lettre. Elle a essayé de rencontrer des gens. Elle a essayé de vivre une histoire d'amour avec un homme qui n'était pas prêt ou qui n'était pas là. Et elle a tout fait. Elle est allée très loin dans le trash, hein, pour essayer. Elle est allée jusqu'à pousser un homme à lui demander en mariage. Donc, quelque part, elle reproduit les... Voilà. Donc, c'est pas évident. Après, moi, je suis sympa. Je voulais que ça soit genre happy end et tout, mais non, c'est sa vie. Et c'est pas la mienne. C'est comme ça. Mais c'est vrai, elle a pas réussi à faire quelque chose de cette sorte. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait d'un viol? Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci.